Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir, c'est un petit peu particulier, j'ai retrouvé un vieil album photo me concernant et concernant mon instruction à la BSPP, mais en 2006, en janvier 2006, ça remonte. Ça fait bizarre de revoir tout ça. À savoir que quand je suis rentré en janvier 2006, j'ai pas fait mon instruction à. Déjà, à la base, l'instruction était pas comme aujourd'hui. Elle était répartie en plusieurs modules. Donc, il y avait 2 mois. Les 2 premiers mois de l'instruction, c'était le secourisme. Après, on était ventilé en compagnie pendant 4 mois. Pendant ces 4 mois, on faisait que du VSAV. VSAV, VID, enfin les interventions. Voilà, c'était plutôt le secours à victime. Et après, on revenait donc à Villeneuve-Saint-Georges et on faisait 2 mois d'incendie et le sauvetage, tout ça. Dès que je suis arrivé à Villeneuve-Saint-Georges, donc en janvier 2006, il y avait trop de monde dans, il y avait trop de monde à Villeneuve-Saint-Georges. Il y avait une section en trop en fait. Et ils ont décidé de prendre une section et de la mettre dans une caserne qui était vide. Caserne dans le centre de Paris. Et c'est tombé sur ma section. Donc au début, on était tous un peu dégoûtés parce que bah, c'était, voilà, on venait à Paris pour Villeneuve et on est directement mis dans une caserne au milieu de Paris, dans le 10e. On ne savait pas trop où est-ce qu'on mettait les pieds. Et cette caserne, c'était le Château Landon. Donc cette caserne existe toujours, sauf que maintenant elle est sur les quais du canal Saint-Martin. Mais avant qu'elle soit là, cette caserne, il y avait une caserne, donc elle s'appelait le Château Landon, qu'on appelle maintenant le Vieux Landon. Donc c'est vraiment une vieille caserne et en fait, comme elle tombait un peu en ruine, ça coûtait cher de devoir la refaire. Les travaux, tout ça, c'est une vieille caserne. Et ben, ils ont préféré déménager les locaux dans le nouveau Landon, donc qui est sur le bord des quais Saint-Martin. Donc nous on était dans cette caserne avec ma section et nos instructeurs. Donc on était la première section à être dans ce vieux Landon. Et en tout, il y a eu, je crois, 5 sections. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 5 ou 6 sections. Ça a duré une année en fait. Mais nous, on était les premiers à être là. Donc au début, on était un peu dégoûtés parce que, bah, parce qu'on n'était pas à Villeneuve-Saint-Georges. Et puis, les semaines ont passé, on s'y est fait. Et on aimait vraiment bien ce lieu. Déjà, c'était à Paris. Quand on apprenait à marcher au pas, c'était sur les quais du canal Saint-Martin. Donc ça avait la classe. Les Parisiens, ils nous regardaient. Et puis on était entre nous, donc on était vraiment soudés. Des fois, il fallait aller à Villeneuve pour voir les docks ou alors pour faire certaines activités. On était obligé d'aller à Villeneuve, donc on y allait en bus. Et tous les autres sapeurs nous regardaient, les sapeurs qui étaient à Villeneuve-Saint-Georges, les autres sections, elles nous regardaient avec des gros yeux, genre, oh, eux, c'est eux qui viennent de Landon et tout. Parce qu'à Landon, c'était réputé pour être difficile. Parce que nous étions donc à Landon et les instructeurs, si vous voulez, les instructeurs étaient chauds bouillants. Et en fait, dès qu'arrivait le soir à une certaine heure, donc il y avait le chef de section qui partait chez lui et on se retrouvait avec caporal-chef et des fois sergent et il nous faisait passer des sacrées nuits, hein, on rappelle encore. Et chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire, mais comme on était entre nous, qu'il n'y avait pas d'officier tout ça, bah je peux te dire qu'on ramassait sévère. Et l'instant maintenant je peux le dire, il y a prescription et de toute façon la plupart des instructeurs ne sont même plus à la brigade maintenant. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est super, c'est un gros souvenir. Donc voilà, on va voir tout ça. Il y a quelques petites photos de dossier, je crois, donc c'est plutôt sympa. Donc là, faut savoir que à Landon, il y avait pas mal de peintures, c'est ce qui fait que cette caserne a vraiment un charme particulier, c'est qu'il y a des peintures, elles sont magnifiques, et voilà. Cette caserne, vraiment, je sais pas, c'était vraiment la vieille caserne des pompiers de Paris, waouh, magnifique. Donc voilà, ça c'est une autre peinture. Donc voilà, donc derrière on peut voir ici là le château Landon quoi. C'est la caserne qu'on appelle le château Landon, elle s'appelle comme ça. Hein. Voilà, et ici on a l'éthique du sapeur-pompier. Donc voilà, ça c'est la caserne de Landon.
du vieux Landon du coup. Donc là il y avait porte de la remise, voilà, vous voyez la vieille caserne. Ça fait vraiment une vieille, très très vieille caserne, hein, à l'ancienne quoi, vraiment, vraiment. Donc du coup on était vraiment fiers d'être passés par là. Ah, Ludo. Ludo, bah Ludo quoi, vous connaissez certainement Ludovic Martin, c'est un des pompiers de Paris qui est mort au feu en 2007, caporal chef Martin, avec le sergent Mercier. Donc ouais, donc il était dans ma section et voilà, on a marché au pas ensemble, c'était vraiment un bon mec. Et voilà, bah, je te dédie cette vidéo, Ludo. Si tu regardes ça, ça fait maintenant 10 ans, ça. 10 ans, on est en 2007. On est en 2017. Il est décédé sur intervention ouais, quasiment 2 ans après notre arrivée à la brigade. 1 an et 10 mois, à peu près. Ouais, Ludo, pense à toi. Donc là, c'était le réfectoire. C'est vraiment cool. Donc tous les midis on mangeait là, vous voyez on était vraiment entre nous, hein. C'était vraiment, il n'y avait qu'une autre section. Là derrière on peut voir, il y a le garde cuisine, il venait ici là et il nous faisait à manger. Voilà le beau tableau, vraiment très très beau tableau qui représente les diables et les pompiers qui combattent les diables. C'est vraiment vraiment magnifique, on avait notre petite machine ici et voilà on mangeait là. Donc tous les midis on installait les tables et les chaises et on mangeait ici, c'était vraiment cool. Et ouais, c'était vraiment, vraiment une bonne section. Là, il y a Ludo, il est là. Et ouais, c'était vraiment cool. Donc là, cette photo, on revenait d'une méthode naturelle. Ils nous avaient fait ramper un peu partout dans on était allé près du canal Saint-Martin, dans le parc. On avait, non, c'était peut-être les buts de Chaumont, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, on avait bien ramassé. C'était cool. Bon souvenir. Il faisait froid, hein. Moi je me rappelle qu'il faisait froid. Voilà un autre tableau. Ouais, c'était chouette quoi, c'était vraiment belle casable. Donc là c'est quand on marchait au pas, donc on tournait en rond dans la cour, et quand on savait un peu mieux marcher au pas, bah, nos gradés nous emmenaient à l'extérieur et on marchait au pas sur les quais, et franchement c'était vraiment la classe. On a eu de la chance de faire ça au final, hein. On a eu de la chance. Donc il faut savoir que c'était en hiver, il faisait froid, c'était en janvier, mais bon, c'était plutôt cool. Ouais, on peut voir vraiment la structure de la caserne, hein, qui fait vraiment, vraiment vieille, et du coup ça a un certain charme. Donc voilà ma section, donc là on peut voir Karim, l'homme de base, qu'est-ce qu'on a rigolé avec Karim. Là il y a Ludo Martin, il est là, et voilà, toute la section est là. Moi je dois être, je me rappelle plus où je suis exactement, soit je suis là, derrière Ludo, ou soit je suis là, je me rappelle plus. Donc là aussi, il y a Denis, c'est un pote à moi, avec qui j'ai fait les JSP, et on s'est retrouvé dans la même section. Donc lui, il est toujours à la brigade. Toujours à la brigade. Donc si tu regardes cette vidéo, Denis, big up. Là, c'était la photo de... la petite photo de section. Donc là, on avait nos deux... Là, on a deux instructeurs. Donc, et un ici. Donc ils ne sont pas tous là. Mais voilà, c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Donc on était en cuir aussi. Donc la tenue de feu en textile, on l'avait à la fin des... Donc on avait 2 mois de secourisme, 4 mois en compagnie, et à la fin de ces 4 mois, on avait notre tenue de feu en textile. Donc du coup, pendant les 4 mois en compagnie d'incendie, on devait monter la planche avec le cuir. Et c'était plutôt sympa. Parce que tous les collègues étaient en textile et nous, on était en cuir. Et on devait monter la planche en cuir, donc c'était cool. Voilà, on manœuvrait, donc on passait par l'échelle accrochée, ici, on passait, c'était vraiment dur, parce que pour mettre l'échelle, il fallait vraiment tenir l'échelle comme ça, et limite sauter pour les plus petits, c'était vraiment dur, mais ça nous faisait les bras, ça nous faisait les bras, parce que les étages étaient vraiment, vraiment hauts. Donc là, à Landon, il y a la CD. Donc voilà, le vieil engin. Donc on a eu de la chance aussi, il est passé pour nous montrer un peu le matos qu'il y avait à l'intérieur. C'était plutôt sympa. Voilà une autre peinture, je crois que celle-là elle était au standard, cette peinture. Donc là on a la liste des morts au feu du coup qui est à l'entrée de l'entrée de la caserne. Donc voilà, là voilà la CD qui nous présente leur matos. Donc là c'est quand on manœuvrait. On ramassait, hein. Franchement, ils nous faisaient des manœuvres de ouf. Hein. On manœuvrait Donc là, on nous faisait toujours des plans rouges, des trucs de ouf. On peut voir les vitres cassées là, enfin, ça fait vraiment la vieille caserne.
Ouais, les vieux sacs de secours, de prompt secours, de secours à victime, et ça c'est vieux sacs. On voit aussi les couvertures bleues, les vieilles couvertures bleues qui grattent. Et puis voilà quoi, tous mes continges qui sont là. Une autre peinture. Donc ça c'était ouais, à la suite de la méthode naturelle. Donc là on avait bien rigolé ce matin-là. Donc ouais bah on est tous là, hein. Moi je suis ici là, le piaf. Ça fait vraiment bizarre de revoir ça. Vraiment bizarre. C'était une belle époque, on était vraiment une bonne bande de potes. Voilà, donc ça c'est la photo qu'il y a donc dans le réfectoire. Donc le corps attaque les diables, c'est marqué là, il est marqué 10e compagnie, donc c'est la compagnie de Landon. Et on peut voir les pompiers qui attaquent les flammes qui sont représentées par le diable. Et c'est intéressant en fait, c'est une autre signification que je connais pas très bien, je m'en rappelle plus trop, et c'est avec les nazis en fait. Donc ça serait représentatif des Français qui se battent contre les nazis. Mais je me trompe peut-être, mais c'est à l'époque c'est ce qu'on disait quand on voyait quand on nous a présenté ce tableau en tout cas. Donc là c'est l'entrée de l'extérieur, la vue de l'extérieur du grosse caserne, Château Landon, vraiment mythique, vraiment mythique. Voilà, donc quand on commençait à marcher au pas, on était là. On chantait là sous la voûte, ça résonnait. Et je me rappelle même qu'une fois, on avait marché au pas tellement tard le soir que les voisins avaient appelé le 18 pour dire: Ah, il y a trop de bruit dans votre caserne et tout. Et donc, du coup, mes instructeurs le lendemain, ils se sont fait, se sont fait allumer par le commandant de Villeneuve-Saint-Georges. C'était marrant. Donc voilà, quand on manœuvrait là, c'était vraiment haut, hein. Vraiment haut. Un vieux PSR. Je me rappelle, ils avaient réussi, nos instructeurs, à tous nous faire rentrer dans ce PSR. Voilà, on était tous rentrés derrière. Hein. Je sais plus combien on était, une trentaine. On était tous rentrés dedans. Vraiment des jeux à la con. Donc là, c'est moi. Parce qu'en fait, c'était moi, j'avais un appareil photo il y a beaucoup de photos qui sont de moi en fait. Mais j'avais demandé à ce qu'on prenne en photo le dos. C'était notre t-shirt de section. Et là, il y a marqué First Land, donc premier Landon. Donc là, on a le boulet. Ça signifie parce qu'on nous traitait tout le temps de boulet. Eh, vous êtes des boulets! La planche, forcément. Et le loup, les loups qui sortent du château, en fait, qui sortent du château Landon en mode vénère. Donc ça représentait notre section. Donc on était tout fiers dès qu'on se promenait à Villeneuve-Saint-Georges avec ce pull, quoi. C'était plutôt classe. Voilà, manœuvre l'eau de sauvetage. Là, c'est nos instructeurs, du coup, je crois que c'est Tony qui monte l'échelle pour nous montrer comment faire. Là, la vue d'en haut. Donc, ouais, là, il y a une partie de la remise ici aussi. Ici, le ref est là. Et puis, le standard est là. Donc, là, c'est encore la photo où le CD de Landon nous pr présente leur matos. Ah, ça c'est vieille photo. Donc là c'est. Ouais, c'est vieille photo. Enfin, elles sont toutes vieilles. Hein. C'est avec. Bah là, il y a Ludo Martin qui est là. Et Renaud. Renaud était avec moi à Masséna après. On était ventilés tous les deux à Masséna. Donc en fait, à savoir aussi que chaque week-end, il y a. On est comme 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Entre 5 et 6 personnes devaient rester chaque week-end. On était bloqués, voilà, c'était comme ça. Et donc voilà, donc ça c'était certainement un week-end, donc ils étaient ensemble. Ah, ça c'est une photo de fin du repas de fin de contingent en fait. Donc ça c'est Denis, c'est mon pote avec qui j'étais jeune sapeur-pompier. Moi je crois que je suis là. Et donc c'est avec lui qu'on a, ouais, on était JSP donc à Pierre Bénite à Lyon, et on est rentré à la brigade ensemble et on s'est retrouvé dans la même section, c'est marrant. Donc là c'est le retour de la méthode naturelle. Donc voilà, toujours avec Ludo qui est là, avec l'appareil photo. Et donc du coup c'était plutôt. Ouais, on était tout dégueulasse. On était vraiment vraiment dégueulasse. Ça fait bizarre de voir ça parce que maintenant tout le monde a vieilli quoi. Et on était vraiment jeunes là, je vois Vincent là. Ça remonte hein, putain. Ça c'est moi ça! Oh la vache, putain, je suis en caleçon. Putain, je fais jeune, hein. Là je fais vraiment jeune. Hein. J'étais un gamin quoi. Et donc c'était ma chambre là. C'était ma chambre.
La même coupe de cheveux, hein. Faut le remarquer, ça. Bon, j'ai plus le même caleçon, hein. Ça, pas de soucis. Je crois que mon lit était là. Ou derrière, je m'en rappelle plus, mais... Anthony. Bébel. Ça, c'est Bébel, qui... notre cabot, qui était notre instructeur. Donc, qui nous a fait ramasser. Pendant les 4 mois au total, mais là, surtout pendant ces 2 mois à Landon. Ça, c'est le week-end de... C'était leur week-end à eux, donc là, on peut voir Denis. C'est une petite photo dossier, je voulais la mettre aussi, hein, tant qu'à faire. Ça, donc, c'est toujours la photo. C'est un peu en vrac, hein, les photos, je suis désolé. Donc là, c'est les photos de fin de comptage. Soirée de fin de comptage, on s'est vraiment éclaté, dans tous les sens du terme. C'est vraiment bien amusé. Donc là encore, le retour de... On a fait beaucoup de photos. Je me rappelle, je tournais dans les chambres et je voulais prendre tout le monde en photo. Et donc là, c'est encore l'équipe à Ludo, toujours. Là, donc là, c'est une photo, elle est marrante aussi, celle-là. C'est vrai que ça fait des beaux souvenirs. Donc voilà, encore cette photo de repas de fin de comptage. Donc moi, je suis ici, là. Et c'était cool. C'était vraiment une grosse soirée. Donc là, c'était encore un week-end. Donc 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, on était 5. 5, ouais, 5 par week-end. Et, ou 6, parce qu'il y a le mec qui prend la photo, certainement. Et donc voilà, on était au standard à se mater des DVD. Donc là, c'était pas mon week-end, mais voilà, c'est ce qu'on faisait en général, hein. On s'occupait comme on pouvait. Denis, donc là, on était vraiment voilà, c'était notre tenue. Je crois que j'ai encore le short. Ouais, je l'ai encore le short, mais je n'ai plus le haut. Mais voilà, c'était notre tenue de Landon. Encore une petite photo dossier. Hop. Toujours retour de la méthode naturelle, toujours, hein, vraiment, on a fait beaucoup de photos ce jour-là, parce qu'on était fiers, on était tout sales. Donc avec Ludo, qui est toujours là. Geoffrey, ça c'est Geoffrey. Putain, tu fais jeune, hein, sur cette photo, Geoffrey. Maintenant, Geoffrey, il est au grimpe, à la brigade. Donc tu vas être toujours à la brigade, hein, ça fait un moment maintenant, ça fait 11 ans, hein. Bientôt 12. En janvier, ça fera 12 ans. Mais ouais, mon petit Geoffrey. Voilà, ça c'était leur week-end aussi, donc... Voilà, on faisait la lessive, on étendait notre lessive comme on pouvait. Sergent, sergent instructeur. Donc voilà, encore le réfectoire. Vraiment, il y a vraiment des bons souvenirs à cet endroit. Très bons souvenirs. Voilà, je tenais vraiment à faire cette petite vidéo pour vous présenter un peu ce que j'ai vécu en 2006, donc janvier 2006. Voilà, ces 2 mois, c'était vraiment mythique. Si je retrouve d'autres photos, je referai une vidéo avec plaisir, parce que ça fait toujours plaisir de montrer ça. Si parmi ceux qui regardent la vidéo, il y a des contingents à moi, n'hésitez pas à commenter la photo et surtout à la partager avec d'autres contingents, que tout le monde puisse la voir, parce que je pense que ça peut faire un bon souvenir pour tout le monde. Et puis voilà, c'était vraiment cool d'avoir partagé tous ces moments avec vous. Là, j'en profite pour le dire, hein, c'était cool. Merci aux instructeurs aussi, à Marc, Bébel, Tony, voilà, tous les instructeurs. C'était vraiment magique, même si on a ramassé, c'était vraiment cool. Et voilà, une pensée à Ludo, toujours là-haut à nous regarder et à veiller sur nous. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était cool. Rompez, bonne soirée, bonne journée, tout dépend à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.